communauté d'agglomération de la Riviera du Levant a présenté donc cette opération de dépose de pièges dans les écoles en particulier par rapport au fait qu'on avait un public sensible, ainsi que dans les bâtiments communaux, dans le cadre d'un comité de pilotage sur le risque lié au Zika. Donc les pièges ont été présentés et chaque commune se voyait attribuer un certain nombre de pièges à déposer dans certains lieux sensibles. On est là avec la société anti-moustique, pardon, pour, on va dire qu'on est en formation. Ils sont là pour nous montrer comment installer les pièges, s'il y a des dangers ou pas, pour parler un peu aux professeurs. Avant tout protéger les enfants, parce que déjà ce sont des petits êtres qui sont naturellement à protéger. Il y a à l'école un gros rassemblement d'enfants, nous avons près de 400 élèves ici. Si nous commençons par les protéger dans les écoles, cela voudra dire que tous les foyers seront concernés. Ce sera autant d'enfants, autant d'êtres humains qui seront protégés de ces moustiques et de ces maladies. Donc commencer par les écoles me semble à double titre intéressant. D'abord, faire un peu de la pédagogie, l'éducation à la citoyenneté, mais également faire également qu'un maximum d'enfants de Saint-Anais soient protégés, soient éloignés en tout cas des nids à moustiques. Que les écoles en tout cas ne soient pas des véritables nids à moustiques.